trouver un sens à la vie. C'est une pensée qui t'a probablement traversé l'esprit, et qui a définitivement traversé le mien. Dans un monde qui semble parfois froid, englué dans les conflits, l'avidité et les excès en tout genre, cet idéal de sens rassure et fait espérer. Pourtant, même en retournant le problème dans tous les sens, de choses terribles arrivent tout le temps à de bonnes personnes alors que des êtres ignobles s'en tirent souvent sans égratignure. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Eh oui mon pote, bon courage pour répondre à ça. Mais si tout ça n'était au final qu'une illusion, une tentative de l'esprit humain de rendre tout ce foutoir plus vivable. Peut-être que nous sommes seuls, sans berger et que la vie n'est qu'une immense blague cosmique dénuée d'un sens quelconque. Waouh. Est-ce que toi aussi ça te fait peur? D'une certaine manière, ça peut être une bonne raison de désespérer et de vouloir tout arrêter. Le philosophe franco-algérien Albert Camus arrive au même constat, mais propose une solution radicalement différente. Selon lui, un univers indifférent et absurde est en réalité une opportunité pour vivre pleinement. Libéré du besoin si humain de trouver un sens, rien ne nous empêche plus d'expérimenter et de vivre chaque seconde pleinement, avec grâce, bonté et courage. Camus propose d'accepter la nature fondamentalement insondable et indifférente de l'univers, et bien sûr de danser là où la raison s'arrête. D'accepter que nous n'atteindrons pas la vérité absolue ou un sens ultime à notre existence. En d'autres termes, nous n'aurons jamais toutes les réponses. Il ne nie pas la possibilité que ces choses existent, que Dieu existe, que une force supérieure nous gouverne. Ce qu'il propose, contrairement à cet existentialisme majoritairement religieux et au nihilisme apathique, c'est une solution applicable par tous. La révolte. Pour lui, le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte. L'absurde n'est pas, selon lui, ce qui nous fait souffrir, mais c'est notre attachement à trouver un sens à l'absurde qui est la raison de nos maux. La simplicité de sa solution fait toute sa splendeur. Juste vivre. Vivre sans raison. Rire sans raison. Avec passion. Rire de l'absurde. Rire du poids de l'existence. Et choisir de le porter à nouveau, encore et encore, avec le sourire. Avec intensité. Avec courage. Mange, ris, bois. Prie. Communique, pleure, parle, dors, fais plein de choses, ne fais rien. Mets-toi une plume dans les fesses. C'est ça le poids de la liberté. Peut-être que Dieu nous regarde, peut-être que nous vivons un rêve éveillé. De toute façon, on n'en sait rien. Et peu importe, l'important c'est de vivre, de danser au son de l'absurde, quitte à être pris pour un fou par ceux qui n'entendent pas la musique. Et c'est ça le courage de Camus. C'est celui qu'il représente dans le mythe de Sisyphe, condamné par les dieux à porter une pierre au sommet d'une montagne sans jamais y parvenir complètement, et ce pour l'éternité. Il écrit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, car au final, pour Camus, c'est l'ascension qui compte, pas l'arrivée. Et y a-t-il quelque chose de plus brave que de se réjouir de l'absurdité de ce que le destin nous réserve? L'œuvre de Camus nous permet de nous transcender. Elle ouvre les yeux sur de nouvelles possibilités d'exploration de l'existence, de nouvelles croyances à adopter, personnelles et individuelles. À l'heure où on ne sait plus vers qui se tourner pour avoir des réponses, il nous explique finalement que nous sommes la seule personne à écouter, qu'il ne tient qu'à nous de tracer notre chemin, et que la meilleure manière d'y parvenir, c'est de le faire avec un sourire aux lèvres. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Passe une excellente journée, une excellente soirée. Sois révolté, sois brave et garde l'esprit ouvert.